Bon, avant de continuer notre travail, je vais juste welcome les officiers du ministère pour l'emploi. Ok, madame Télémaque. Mon secrétaire principal pour Civil Status et Immigration, Madame Floriane Vidot. Secrétaire principal pour l'emploi, Monsieur Jules Baker. Special Advisor pour l'emploi, Miss Véronique Brisson. Special Advisor Immigration Civil Status, Monsieur Michel Marie. Financial Controller Immigration and Civil Status, Madame Bessie Banane, et accountant pour employment, Miss Tassana Labosse. Encore mon grand, ils ont tout bien. C'est une petite correction que mon vie fait. C'est un grand pointé par un nouveau avocat qui est dans la chambre. Les mots mentionnent qui nous pas pour à l'eau policier en bas de standing order 76 il mentionnait pour dire question il bougeait un petit peu vers policier, ok, mais on nous parlait ça qui fait nous aller deep pour nous aller demander une question qui nous capable peut-être au long l'année 2018 nous capable bring the minister in pour nous capable questionner l'eau, ok. Mais nous connaissons dans tout le monde question qui peut lever vis-à-vis bise, il y en a un petit peu qui touche un petit peu le policier, sa ministère. Ok, avec ça, je vais demander Pierre Payet pour guider nous. Pierre. Merci, Monsieur Chair. Juste pour ajouter que nous pouvons tous les départements ensemble, qui le passe 493 jusqu'en 508. Qui, tous les deux, le même head, qui pour le ministère de l'Emploi, immigration avec Civil Status, même s'il y en a des départements. Sur base 493 jusqu'en base 508. Ok, merci Pierre. On fait même l'exercice encore. Tout le monde qui peut intervenir, qui peut demander une question, je suis content un show of hands. Madame Clark, vous allez le côté. Merci, Monsieur Chef. Côté parti l'épée, moi, on a Honorable Charles de Comamon, Honorable Sébastien Pillet, Honorable Basile Waro, Honorable Simon Gill, Honorable Churchill Gill et Honorable Raven William. Madame députée Clark. Merci, Monsieur Chef. Le côté LDS, moi, on a Honorable Blom Calawan, Honorable Afif, Honorable Henry, Honorable Ferrari, Honorable Esparon, Honorable André, Honorable Woodcock, Honorable Stephen Pillet. Merci. Ok. Merci. Ok, on va commencer avec Honorable Stéphane Pillet. Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, un petit bon après-midi à tous qui là. Mon, il pas une grande question. Il basé le new recruitment qui dans Bidze. Page 495 qui nous donne 1,372 millions roupies. Et le page 499, l'emploi un peu cause là, Mr. Chair. Ça va de nouveau recrutement. Si le ministre a donné un détail à cause de la différence entre Employment Services recrutement avec. Labour inspectors, que bon endroit, qu'il y a un bon petit défi pour aller au site, pour regarder, que bon employeur, qui peut traiter l'emploi, soit local ou foreigners, qui ne peut pas demander plus le côté new recruitment, les inspectors labour. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Honorable. Pierre sous les ponts, Pierre Speaker.
Bon après-midi, député, chair. Bon après-midi, tout honorable. Bon après-midi, tout le monde qui peut écouter. Merci, honorable, pour la question. Moi, pour la première question, le côté page 495, pour expliquer ça, 1,3 million 72 ou 21. Monsieur le Speaker, mon capable rapporte avec ça l'Assemblée, qui sa figure là, pas supposé 1,3 million, en principe, il supposé 370 000 roupies, 440 roupies. Ça, il y a un résultat, trois nouveaux postes qui nous gagnent pour l'année prochaine, qui est un inspecteur et des employment services à cause de l'introduction URS, qui nous besoin encore plus de monde pour assister avec l'opération URS. Ça figure 1,3 million qui ministère des Finances, il fait une omission qui en addition cette position qui sont déjà finie dans le budget 2017. OK, ministère des Finances va à pièce financière qui va clarifier un petit peu après. Mais la deuxième question concernant l'importance qui nous donne avec nos capacités de renforcement. Oui, honorable, il est important que nous mettions l'emphase, le renforcement, et ça tient un sujet qui s'est levé dans l'Assemblée l'année passée, quand nous avons demandé pour rapport au ministère des Finances pour demander l'assistance pour nous capables d'augmenter nos capacités. Et nous avons au ministère des Finances, et ça même ça pour voir qu'il y a une augmentation dans nos budgets. Mais seulement nous devons faire ici, à portion de nos budgets, basé sur toute bonne qualité stratégie et aussi bonne défi qui nous en a. Nous n'avons pas dit ce défi le côté renforcement du monde qui n'est pas payé, mais aussi nous besoin aussi renforcer nos capacités d'un côté employment services à cause qu'il y en a pour faire avec l'emploi. Travailler non séchelois. Nous tous nous connaissons pour dire l'année passée, tu mets beaucoup l'emphase et ça l'année aussi le ministère fait un statement qui nous besoin voir exactement qui qualité stratégie nous besoin adopter dans faire si qui bonne condition qui attache avec employment of non séchelois, il gagne renforcé et bonne position qui gagne approuvé par le ministère aussi gagne renforcé. So, il passe juste d'un côté labor inspection, mais aussi dans l'aspect employment services qui vient avec. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, PS. On aura pilé. Non, tu peux demander pièce paillette pour éclaircissement 1372. OK. Pièce paillette. Monsieur le Chair, qui fait ma retourne là après qu'il est à nous clarifier un peu. Merci. OK. Merci, pièce. On aura William. Merci, Monsieur le Chairman. Monsieur le Chairman, je vais demander pièce. Well, moi, je vais faire une suggestion. Basé le recrutement of foreign employees, moi, je vais suggérer qui peut-être chabon qui en bonne condition, basé peut-être même immigration, qui peut-être bonne foreign workers avant qu'ils aient entré dans le pays, qu'ils aient aussi fait un commitment in terms of a financial commitment. La raison de mettre ça devant, c'est que beaucoup de fois, il y a beaucoup d'employeurs qui ont des difficultés. Basé sur la façon que les choses peuvent aller, pour les autres, ou pas qu'à force à dire mon travail, mais seulement, on n'a pas recours aussitôt. Comme si il y en a un give and take là. Comme si on peut mettre ça sur les échanges. Et deuxièmement, le ministre qui vient faire un commitment récemment, moi, envie de demander si il y en a tenu dans sa budget qu'ils ont pu proposer. Il y en a un coup, l'effet qui te dit qu'il faut se regarder pour assister. On a des local employment agencies qui ont des difficultés aujourd'hui, basé sur la situation actuelle. S'il y en a un coup qui a mis des allocations par là pour assister sa ban local agencies qui fait recrutement. Merci. Merci, honorable William. Pièce. Merci, député Speaker. Merci, honorable, pour question. Pour première question, il concerne la façon qui travaillait étranger, gagnant employé dans ces cellules. Oui, il n'a pas dit ça, honorable. Moi, je vais faire ressortir qu'il n'a pas dit ça. Encore, on pourrait faire ressortir le ministre de son statement tout récemment. Il fait ressortir qu'il y a une nécessité qui nous revoit le whole concept of employment of non-séchelois. Et c'est ça à cause qu'il y a une négociation avec ILO pour nous adopter un que nous appelons un labor migration policy pour mettre un bon peu
standard et l'ordre de la façon qu'il fait. À cause, c'est que, most of the time, on voit qu'il y a un employé, individuellement employé, il y a un pays dehors, il fait son négociation dehors, papier qui est signé dehors, le contrat est venu cesser, nous avons besoin de tester ce bon contrat et nous voyons qu'il y a une bonne défaillance, qu'il y a un manque de confiance entre employés locaux avec travail étranger, soit il y a un manque de confiance entre travail étranger avec employés locaux à cause du papier ou nos bonnes obligations de contrat. Ça est un élément important que nous voyons et commence à venir un défi pour nous d'accesser, il y en a beaucoup et nous pourrons adresser ça très bientôt en bas nous les migration policy. Deuxième question concernant local agencies. Oui, nous en avons demandé, côté demande agencies pour revoir les fees qui nous payaient. Aujourd'hui, pour nous enregistrer un job seeker, nous payons 75 roupies par la tête enregistrement qu'il fait et 100 roupies par placement qu'il fait dans le travail. Nous avons dit qu'il y en a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui mettent derrière sa qualité de travail pour faire si qu'un dimoni gagne l'emploi et l'effet qui s'abonne l'agence peut travailler avec nous, peut rendre nous un service qui ministère de l'emploi, si vous devez faire lui-même, nous puis encourage par le secteur pour entrer dans sa domaine, outsourcing. Oui, nous sommes en meeting avec en effet sa semaine là, pour tout, by the way, pas tout qui nous puis outsource sa service avec. Hein. Dans cette private and private agencies qui en a de CCL, nous pouvons outsourcer avec 10 dès pour le moment et nous faisons un meeting avec les autres pour ban qui est intéressé pour join, nous avons été coupé plus bonne façon et nous pouvons, dans une même demande, nous pourrions considérer augmenter sa fee 75 avec 100 ou puis qui nous pouvons payer et aussi dans une même demande, nous pour mettre un fee fixe pour autres tous les mois. Mais ça, il y en a pour faire avec l'implication BIDZE et discussion en progrès, quand un papier va remettre devant le gouvernement et une décision va gagner point, la qualité de l'assistance tout pour faire. Merci, Mr. Speaker. Merci, P.S. Honorable Woodcock. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, ministre de l'Éducation. Mon question comme suivant, le page 495, Labor Protection. Il y en a un revised budget pour 2017, c'est 5,1 millions. Et il y en a une réduction pour 2018 qui est 4,5 millions de roupies, qui est une réduction à peu près 600 millions de roupies. En vie, avec sa bonne issues qui est levée récemment, c'est tout bon l'établissement touristique, de bon l'hôtel, de bon carcotte, de bon travailleur, senti qu'ils ont droit à violer. Moi, tu peux respecter l'augmentation du code de la protection qui concerne, c'est tout le problème. Mon question qui m'a peut demander, c'est qui. Qui au ministère peut faire pour renforcer les offices, soit employment office ou pas l'un? Et nous challengeons ce qu'on dit, c'est qu'il y a une pression, l'employment division pour deployment of labor inspectors. Et qui au ministère peut faire pour renforcer un peu, côté concerne l'inspection de bon établissement touristique ou soit de bon endroit, qui a un rapport, comme quoi il y a un bon labi qui peut faire, si tout côté bon. Travailleur local. Mon deuxième question, il concerne l'injustice qui m'a senti exister dans Employment Division. En fait, ça n'existe depuis les mois de travail là-bas. C'est qui tout bon immigration, il pas prend ces lois pour travailler avec comme les officiers d'immigration, avec les autres ministères, avec sa département, qui restait plus loin qui au cap. Par exemple, il y a des gens qui résident en Sbalo, en Soyal, Takamaka. Ils n'ont pas pu gagner emploi et immigration à cause de pas faire provision, transportation, pas cesse de gens de la région pour mettre du travail après tout avec eux. Qui m'ont croisé une grosse injustice pour les gens qui sont contre le travail et l'immigration. Alors, qui au ministère envisage faire pour résoudre ce problème une fois pour tout? Merci, M. Spiga. Merci, honorable. Yes. Merci, député speaker. Merci, honorable, pour la question. Je vous pose juste la première question, comme mon mazinin. Pour dire sa deuxième question, il y a associé pour faire avec le département d'immigration, mon correct? Oui. Immigration, ok. Merci, merci, honorable. Oui, mais non, papa. Monsieur le député, en effet, je suis totalement d'accord et supporte honorable Woodcock. Pour qui il y en a nécessité pour nous intensifier nos efforts l'opéralin in terms of inspection. Nous en a, nous avons dit nous en a suffisant staff, mais quelquefois la cause que développement l'opéralin consciemment a grandi
et demande continuellement monter. Nous besoin voir quelle direction nous besoin prendre concernant Pralin. Moi dis où ça que nous peut faire pour Pralin. Montine des armes, mentionne nous avant et montine des armes, nous montine des armes, mentionne publiquement qui nous peut faire un recess le Pralin, qui University of Seychelles qui t'y gagne sa consultancy. D'ailleurs nous t'y finis faire un tender process et nous peut faire un recess pour nous voir qui qualité de défi qui nous en a pour aller in the first place avant de nous demander au gouvernement pour donner nous l'assistance en termes de renforcement. Nous, ce qui est important pour nous voir, c'est que nous voyons qu'il y en a beaucoup de défis pour aller, qu'il y en a des habitants sortis pour aller, d'autres descendent maille, d'autres paris, après d'autres finissent l'école, d'autres paris tournent pour aller. Et aussi, nous aussi voyons qu'il y a un système de travail pour aller, il y a beaucoup localisé en termes de travail informel, qui ça aussi un RIA qui nous besoin de guetter. So, nous pouvons travailler très proche avec University of Seychelles, qui est un consultant, puis travailler là pour qu'il donne un rapport détaillé. Il nous soumet un rapport, un summary of the report already, mais au moins nous sommes satisfaits, nous demandons pour avoir beaucoup plus de data avec l'information et tout come back to us et travailler en progrès pour le moment. So, nous sommes totalement d'accord avec vous, qui nous besoin de mettre l'en face, le renforcement, partout pour aller mailler la digue aussi. Merci, Mr. Speaker. Merci, P.S. Beckham. On va demander P.S. pour immigration pour répondre à sa deuxième question. Bon après-midi, M. Chair. Bon après-midi, tout le monde honorable. Et bon après-midi, tout le monde public à l'écoute. Honorable, il est vrai que pour le moment, nous transportons jusqu'au Cap. Et l'étude des appels qu'on fait, nous sommes conscients. Et pareil, nous connaissons ça pour définitivement les quinquos. Plus driver, plus bis. Et, mais seulement nous pouvons étudier ça. Merci. Merci, Pierre. On aura bout de coq. Quand est-ce qu'il y a un visage, qui time frame pour organiser ça, pour faire ce qui est de monde, qui est président Soyel, en Soubalo, Bilaza, Takam Kapog, Gantans, sont capables d'aller faire des employés par immigration? Pierre. Merci, M. Chair, merci, l'honorable. Et, pareil, si vous voulez, il n'y a pas pour des suites, possiblement dans le milieu, mais trois ans l'année prochaine, possiblement dans 2019. Mais ça, pareil, il y a les quinquos. Et nous avons besoin d'un avec le ministère des Finances pour guetter, comme il y a un cas, mais seulement l'étude des affaires. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Honorable Spahn. Un moment, honorable. Je vais donner la parole au ministre. Go ahead, ministre. Bonjour. Bon après-midi, M. Chair. Bon après-midi, tout le monde. L'honorable, Sassizé travailleur qui restait dans le CID, il tout le temps un topic contention dans l'immigration à cause de nos courants qui nous n'ont pas soit moyen pour nous aller un peu plus loin qui au Cap. Ils ont ivré, nous accepté et sa voyage nous pouvait bien faire un bon étude à cause nous payons beaucoup de monde sorti d'acide qui m'en croit nous pouvait bien de façon emmène sa bonne travailleur on board pour nous apprendre autres aussi. Autres gagnent même sens avec bon travailleur qui reste dans nous. Merci. Merci, ministre. Honorable Spahn. Merci, Mr. Speaker, Mr. Chairman. Mon tradition, je vous demande, ministre, clarification, le page 501, en bas current receipts, mon papé, il ne reflète aucun laser qui gagne assez pour un job et qui va nous payer, en laisse, il tombe bien l'autre head ou bien il tombe bien l'administration, je ne vais pas prendre un petit cas clair si ça, pour moi, s'il vous plaît. Et puis, mon tradition, je demande, ministre, le page 503, en bas SP1, Moi, Minister Support Services, 5,174,000. Explique-nous un petit peu comment on voit ça devant les autres ministères, qui qualité d'activité qui gagne fait en bas de sa aide. Et, ministre, moi, je suis content, demande-vous, envie que le temps où tu reviens répondre à mon question, plus bonheur de l'Assemblée, nous te causons un peu de sa disparité qui existait entre salaire, bon staff, côté immigration, junior staff avec senior staff. Moi, je suis content de s'habiller si on fait focus pour en l'argent pour régler sa disparité qui existe contre le travail à l'immigration, ça qui est junior, ça qui est senior, parce que même pareil. Et si ça a une
il gagne mettre combien somme qu'il gagne mettre dans habiter pour rectifier ça anomalie. Merci Mr. Speaker. Merci honorable. Ministre, vous voulez répondre ou bien pièce ça va prendre un bout. Merci monsieur député chair, merci l'honorable. L'honorable ça une prise qui on a ba ministre secrétariat qui inclut pour nouveau poste. Pareil nouveau poste dans le recrutement of a senior private secretary, dans le recrutement of office assistant, après dans le recrutement of telephone operator, recrutement of drivers also. Après on vit qui nous on a un recrutement of so of a senior police analyst. OK, PS. Après salaire bons officiers, nous prenons compte ça à cause salaire bons officiers nous des ans. Commencement mars ça l'année, nous avons officiers airport, officiers airport qui nous ont enhancement of their salaries. Nous des ans gagne payer commencement mars ça l'année. Et puis là au commencement octobre sa disparité qu'on a entre senior officers, il finit gagner réglé à cause de senior officers, mais déjà puis commence gagner autre salaire là. On sera en octobre. Après, ça qu'on fait ressortir dans revenue, GOP, il tombe par immigration fees. Yes, on a mis pas. Merci, Mr. Député. Juste pour clarifier bien, ça qui si on si on même dis-moi, ça veut dire ministre en ce moment peut fonctionner sans saban mais des qui non mais qui ça là ça peut aller mettre envers les autres. Ça veut dire pourquoi recruit saban dimon présent que tu as recruit saban dimon. OK. Yes. Un moment, ok? Mets tout mic en pièce, ok? Merci, député chair, merci l'honorable. L'honorable ministre, il, pour le moment, il peut travailler avec son secrétaire qui est pièce. Il peut comment il n'a pas un private secretary, il n'a pas un office assistant et tout ça, bandit mon qui peut monter, oui, ben nouveau ministre, parce que sa ministre qui a déjà dans l'emploi, il bouge avec son dimon. Ok. Ok, merci, pièce. Honorable Churchill Gill. Merci, M. Chair. Mon question est le page 495 en bas Other Usage of Goods and Services. Il y a une augmentation pour 2018 par 1,5 million. Après le page 497 en bas même head, il y en a une autre augmentation encore par 1,5 million. Est-ce que nous avons une explication, s'il vous plaît? Merci. Merci, honorable. Pièce en Béka. Merci, M. Chair. Est-ce que honorable Béka a répété son question? Il a un petit peu vite, s'il vous plaît. 495. Other use and services. L'autre. Met le mic on honorable Gill. L'autre dit le page 497, même head. Other uses of goods okay, and services. Ça increase dans yeah. Other uses of goods and services. Tous les increase 1.5 oui. Million. Yes, go ahead, PS Baker. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, l'augmentation en bas good use of goods and services y a un résultat premièrement réactivation URS et ça l'en est ministère finance il donne nous un certain somme l'argent pour nous capables administrer ça l'augmentation. Deuxièmement, il y en a pour faire avec l'effet resté qui
Nous prenons vie, augmentons nos payroll, nos wages and salaries, nous servons les service providers qui des aides à district et nous revoyons les autres conditions de travail et nous donnons une augmentation pour nous aussi assister. Il y en a à peu près 9 autres qui peuvent déjà travailler avec le ministère de l'Emploi, dans base consultancy. Et pour exemple, ce que nous avons besoin de faire, au lieu de nouveaux travailleurs, ce que nous faisons, c'est que nous réassistons un petit peu les autres salaires pour nous aussi aider avec. Travail URS. Deuxièmement, Mr. Speaker, nous avons aussi refurbishment of offices l'opralin. L'année passée de l'Assemblée, nous avons demandé pour reconsidérer nos positions, pour sortir d'un bureau de Saint-Anne pour aller Horizon Complex pour bouger dans l'autre location. Et alors, ce que nous faisons à partir de décembre, ça l'année, provision de gain fait pour nous sortir de sa building, alors, pour une augmentation dans sa bonne qu'on a pour faire avec paiement, refurbishment pour bouger dans sa bonne de la nouvelle office de Saint-Anne pour Alain, qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus confortable, qui m'a assuré les habitants pour Alain, y va capable de réjouir un plus bon service. Et aussi, il y en a pour faire avec increase the lease agreement. Dans sa Bessentan, nous tu peux payer 17 000 roupies et là nous augmenter pour 17 000 roupies, là nous augmenter pour 21 000 roupies. Sur tout ça, il y en a pour faire avec ben, l'augmentation que nous avons dans sa transaction. Alors, et aussi, nous avons besoin de payer, nous avons un nouveau véhicule, et alors, nous avons besoin de maintenir ce nouveau véhicule. Il y en a aussi coûts qui est associé avec l'assurance, maintenance and repairs pour savoir nouveaux véhicules. Merci, Mr. Speaker. Merci, Pierre Speaker. Honorable André. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je suis très content. Commence l'opaz 495. Pour moi, je peux dire l'augmentation n'est pas 3 millions. Quoi qu'il s'en soit, j'ai côté des anabans de ministère qui est là, ministère de l'Emploi et le ministère qui est responsable de l'immigration. Mon autre question, il est au PAS 500N. L'État nous peut guetter, nous peut voir qu'il y en a un immigration fee, le la table D, qui peut cause un somme substantiel en 2018. Mon cher Koto, si ça existe, bonne recette qui ministère pour faire, et qui si total recette qui ministère pour faire, 177 millions, in terms of saban service qui fait donner civil status, ID card, immigration fees, passport fees, residency permit avec citizenship. Après, mon poilot, sa goods and services qui nous qui avec nous. Il y en a local consultancy fee. 1,7 million. Est-ce que le ministre est capable, ministre ou bien PS est capable de dire nous, qui sa bonne qualité de service que tu fais à cause de employment, qui sa bonne qualité de service ou bien ça est pour une bonne agency? On ne peut pas tout comprendre à cause d'agency, bien agency fee, pareil on dit, mais c'est mon consultancy fee. Mon cher, on a une explication. Et puis, nous pouvons avoir un office rent aussi. Qui tombe 364 000, après on a un autre qui tombe 56 000, subsequent to that, on a facilities for event, on peut dire quelque chose pour organiser. So, moi, ça compte un petit peu l'explication là, ministre, merci. Merci, honorable. Puis, Béco, on va prendre bout après immigration, on va prendre un bout. Merci, merci, Mr. Chair. Merci, honorable, pour question. Moi, pour ma première question qui concerne le département de l'emploi, Mr. Speaker, il est important pour moi d'éclaircir quelque chose là. Oui, il y en a une augmentation dans le budget du département de l'emploi général. Mais ça, l'augmentation, par exemple, il est correct qu'on nous dit qu'il y a un fait. Et dans le budget, il y a un fait l'année passée, il y a un ministère qui s'appelle le ministère de l'emploi, développement, entrepreneuriat avec Business Innovation. Et sa ministère cassé en zilliers de salanin qui appelle Employment, Immigration and Civil Status. Sa l'augmentation
qui en a rapport à 3.5 millions, 3.4, 3.5 millions, il y en a pour faire avec nos bons programmes qui nous sont planifiés pour faire pour ça l'année, comme le département de l'emploi. Ok, moi je dis que c'est un bon programme, juste pour faire ici que nous le même semaine. Premièrement, par exemple, cause de là, on fait ressortir qu'il en est passé. Nous avons demandé par l'Assemblée pour apporter au ministère des Finances pour guetter qui manière nous sommes capables de gagner plus de ressources pour améliorer nos services. Premièrement, nous avons pour faire avec rétiration du département de l'emploi. En tout cas, généralement, avec sa augmentation pour mon cas justifié. Hein? Deuxièmement, nous avons un nouveau office pour Alain, par exemple, nous avons besoin de refurbisser l'office, sortir de sa haine, bouger de sa l'autre, nous avons besoin un peu plus d'argent pour ça. Troisièmement, il y en a pour faire avec coût opérationnel URS. Quatrièmement, nous avons acheté un nouveau véhicule, plus pour maintenance. Cinquièmement, il y en a l'augmentation de salaire travailleur qui nous graduate. En effet, pour nous faire ressortir qui, only avant-hier, six nos staff ont graduate avec certificat, avec diploma. Et l'année prochaine, nous avons deux nos staff, un pour graduate avec un degré et l'autre pour graduate avec un master's degree, qui nous avons besoin de faire provision pour les autres pour l'année prochaine. Nous aussi, on a un nouveau scheme of service que le gouvernement a adopté pour qui nous soit applicable pour drivers, customer care, record clerk et aussi office assistance. Ça aussi, nous on a tout ça dans nos départements et nous besoin cater for them. Et aussi, nous avons un petit augmentation dans nos consultancy services à cause du ministre fait de son certain commitment de l'Assemblée tout récemment qui nous besoin améliorer nos services pour faire plus de l'étude qui pour nous capable adopter une stratégie plus objective et un plan plus direct qui nous capable affecter travailler ces lois. Nous aussi, on a les autres postes, trois postes additionnels que nous avons gagnés pour l'année prochaine. Et généralement, aussi, nous avons besoin, par exemple, de revoir salaire, bon service providers avec l'introduction URS. Nous avons gratuité qui pour Dieu pour l'année prochaine pour bon staff. Ça en est un an, et l'année prochaine nous respecter pour un an, et alors nous devons faire provision pour ça. Souhaité, honorable, c'est la liste qui nous donne, là, avec cette augmentation qui vous paye 3 millions, tu peux pas passer tout. Mais seulement nous sommes capables de faire avec ça qui nous en a, nous avons arrêté l'année prochaine, qui nous sommes capables d'assister. Merci, Monsieur Speaker. Merci, Pierre Speaker, pour immigration, Pierre, bien ministre. Merci, député. Merci, l'honorable. L'honorable, immigration fees, il tombe GOP, il inclut le GOP fees. Pour l'information de l'Assemblée, c'est que pour le moment, là, jusqu'en tout date, octobre, immigration fees, nous sommes à 113 822 000 roupies. Et ça, que vous voyez, immigration fees, il tombe ensemble GOP, forme pas ça. Et nous provisions pour l'année prochaine 2018, nous voyons à 147 880 000 roupies. Merci, l'honorable. Merci, Pierre. Honorable Badewé. Monsieur Pierre, il dit nous qui pour dire consultancy fees in increase, basé sur cette quelque chose. Vous êtes capable de dire nous si ça va un individu. Qui procédit, qui doit passer là-dedans pour gagner sa bonne consultancy et si possible, qu'elle soit une firme qui gagne sa consultancy. Et puis, le côté l'argent qui est amassé, l'État peut gagner le page 508, on voit le programme Human Trafficking, il existe 300 et plutôt 855 000 roupies. Est-ce qu'il PS Immigration est capable de dire si ça est suffisant pour nous faire ce travail, pour nous surveiller un petit peu, faire Human Trafficking? Merci, honorable Badewé. Pierre Speaker. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable, pour question. Le côté consultancy fees. Oui, tous nos bonnes consultancies passent à travers les procédures nécessaires. Mais seulement, ce qui est capable de dire dans ce sel, il y en a une limitation. Un expert, l'État y en a pour faire avec les studies, il y en a pour faire avec l'emploi. Malheureusement, et heureusement, parfois, nous avons l'Université of Seychelles qui assiste nous. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour la situation d'analysis, pour Alain, nous avons advertise la nation, nous avons fait open tender, c'est l'Université of Seychelles qui applique. Et alors, naturellement, nous avons fait procédure à travers le ministère des Finances, nous donnons.
Par exemple, nous déjà un study qui nous peut faire formalité pour travailler là. Et ça, il y a une étude qu'on a pour faire avec AYELO et gouvernement CCL. Et normalement, AYELO qui fait sa bonne projet, ça l'est de migration policy. AYELO a investi, il nous paraît pour lui donner 10 000 roupies. Mais seulement, consultant, il dit comme ça, AYELO, il demande, il submit un candidat. Et ça, il y a un contrat entre AYELO avec sa bonne consultancy. À cause toute majorité de nos bons programmes, c'est qui, on va nous dire, du programme, ce qui AYELO il donne nous un coup de main dans partager. Parfois il fait full, parfois il donne nous un coup de main pour partager. On va expliquer un petit peu. Par exemple, les migration qui ont consultation en termes of reference pour nous faire payer un travail là, AYELO il donne nous 10 000 dollars qui équivalent à 132 000 roupies et aussi nous avons besoin de contribuer 190 000 dollars qui pour nous assurer que ça les migration policy il vient en ligne par nous dit à partir de 2018 et procédure en cours. L'autre posé qui nous concerne aussi, par exemple, qui gros qui nous a avec AYELO, qui nous a fait du Central Country Program. AYELO nous paraît pour donner 181 000 roupies, qui équivalent à 15 000 dollars, et nous pouvons donner 20 000 roupies, à ce operational cost qui nous besoin payer. Merci, Mr. Speaker. Merci, Pierre Speaker. Il y a un bout pour l'immigration, tout le monde. Merci. Pierre. Merci, député chair. Merci, l'honorable. L'honorable, ça 855 000 roupies en bas dans Trafficking in Persons. C'est ça qui chairman sa Trafficking in Persons, qui met devant. Pour le moment, ça 855 000 roupies, il y a un clé, un poste pour un directeur, son assistant et rental of office. Ça, pour le moment, ils ont appelé l'office. Ils ont pu proposer pour next de gagner l'office. Merci, l'honorable. OK. Merci, PS. Honorable Basile Wanou. Me too, Mike. Sorry, I apologize. Merci, Mr. Chair. Je suis content de demander PS pour l'emploi. Des questions, premièrement, après une question pour PS pour l'immigration. Nous avons pour dire dans le market research qui pour gagner un plan pour aller faire. Quand ça est supposé commencer et quand il est fini, est-ce qu'il dans sa professional expenses qui en a 3 millions ou plus qui est budgeted, il y a un clé là pour sa research? Et deuxièmement, pour PS l'emploi, nous avons ça pour management of non-social employment pour assurer qu'il y a localisation. Donc on a une cause un peu là. Mais moi, je crois qu'on a un petit peu plus spécifique. Quoi qu'il peut gagner faire pour faire ici, pour dire ça, il vient en réalité, pas se rester le papier, mais il peut gagner faire pour qu'il nous bonne ces lois, il trouve autres dans l'emploi, au lieu qu'il est transi. Troisièmement, en relation avec pour PS immigration, nous voyons pour côté receipts, il y en a pour citizenship fees, peut considérer pour gagner à peu près 8 millions ou plus. En termes fees. Moi, j'ai quand demande PS, quoi qu'il peut faire aussi pour nous faire si nous peut contrôler quelle quantité de monde nous peut donner citizenship. Moi, on a une permanence là avec oui, mais at the same time, nous besoin contrôler faire si nous peut contrôler de monde nous peut gagner citizenship. Merci. Merci, honorable. On va commencer avec l'emploi. PS Baker. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable, pour question. Oui, pour l'année prochaine, nous pouvons envisager faire un labor market research basé sur nos statistiques. Une vue primordiale aujourd'hui, Mr. Speaker, est honorable, c'est qu'il est important que nous avons l'information, les statistiques et que nous ajoutons avec le développement qui peut arriver dans le pays. Et nous pouvons travailler très proche avec DICT Salanin pour faire ainsi qu'ils ont fini, finalisent tous nos modules et qui nous commencent à implémenter sa projet Labor Market Information System à Bonaise janvier. Mais avec ça, once qu'ils ont fini de gagner l'information nécessaire, il y en a une information pour un recherche technique qui a fait un peu depuis 2015, qui s'appelle ça un technical research, low employment, qui montrait qu'il y a encore des défaillances dans en masse l'information et aussi difficultés qui nous gagnent avec nos bonnes partenaires, stakeholders dans le secteur privé pour partager l'information avec nous. Sans ça, l'information, il est difficile pour nous adopter une bonne politique.
C'est alors nécessairement, oui, il y en a un budget qui peut gagner alloqué pour l'année prochaine, qui nous pour faire formalité avec un consultant pour capable faire ça. En effet, sans les bonnes research et pour complémenter ça, les migration policy à cause de l'information qui nous n'a pas. Ça le market policy, ça le market research, il faut que nous avons 49 000 roupies juste pour établir concept et qui plus bonne façon pour nous amasser l'information et après, then from there, nous pour build up of the existing. Mais si nous besoin d'un système en masse avec the ICT avant. Si nous pas structure, nous pas pour avoir l'information pour analyser correctement. Le côté au deuxième point, localisation, oui, encore, on pourrait faire ressortir qu'il y a une nécessité pour nous donner plus bonne façon, document qui nous capable de localiser nos postes. Encore, on répète, le ministre fait dans son statement qu'il est important que nous mettions l'homme dans cette affaire localisation. Premièrement, nous gagnons un petit budget en plus avec la finance pour nous employer plus de staff de sa section. Ça y est, mais plus de staff de sa section y passe. Nous besoin de renforcer bonnes conditions qui attassent avec certains pour bonnes procédures qui en résistent qui nous employés non sécurisés si tout ça qui nous appelle certificate of entitlement. Aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations dans ces cils qui ont un certificate of entitlement qui est condition par certificate il fait ainsi qui procédure localisation immense. Mais franchement dit pas tout le temps qui ça immense d'une façon effective à cause nous n'a pas capacité interne pour fully moniteur et implémente ça. Avec ce petit budget que nous gagnons là, nous allons renforcer nos efforts pour faire ce qui nous régit sa certificat d'entitlement. Deuxièmement, nous beef up nos sections pour faire ce que nous avons plus d'officiers qui a dans leur travail visité pour faire ce qui procédure de localisation immassée. Et troisièmement, il y a un comité qui m'a dit ministre aussi qui a basé un petit peu là. Il y a un comité que nous faisons interne, comme ça, GOP Committee, pour revoir un petit peu l'application qui vient de nous, à cause de nous sentir parfois qui malgré tout bonne procédure, qui met en place pour faire ce qui nous prend une décision, qui est objectif et qui fait, mais il y a encore un bon cas, il y a un bon tout qui dit qu'on essaie de faire façon pour les autres capables de gagner un poste. Pas nécessairement qu'on a besoin. Mais ce moment, quoi, oui, il est important qu'il nous intensifie nos efforts et qu'il nous travaille plus dur pour nous résoudre sa situation. Merci, M. Speaker. Merci, Pierre Speaker. Pierre Spidot. Merci, honorable. Ministre. OK, ministre. Concernant citizenship, il y a un comité qui évalue toute l'application pour demande pour citizenship. Et critère, il a le website, tout le monde qui met critère, il connaît, il apply. L'OCISE pour nous mettre certaines mesures en place pour voir, pour un contrôle concernant le citizenship. Je crois que nous avons besoin de nous discuter déjà. Nous avons besoin de regarder la loi citizenship pour nous finir de discuter avec le management de l'immigration. Ça y est, nous l'autre projet, nous finir avec l'immigration bill. Et la présence en avant entrer le citizenship, qui présente en avant regarder en global les mêmes. Merci. Merci, ministre. Honorable Henri. Merci, Mr. Chair. Mon première question, il y a val pour le département immigration civil status. Je donne un component consultancy, il n'y a pas beaucoup, local, à peu près 550 000. Moi, je vais raconter un petit peu l'éclaircissement là, quelle qualité pose sur les entreprises qui ont besoin de ça. Après, il y a un petit component encore qui appelle Security Enforcement, qui aussi pas beaucoup, à peu près 328 000. Ça aussi, moi, je vais raconter un petit peu de détails là. Et pour l'emploi, ce que moi, je vais demander, c'est que côté d'Abidze, par le fait qu'il y a un grand. Quand c'était travailler étranger qui c'est celle qui autre département pour aider ça bon travailler comprendre bonne la loi bonne régulation qui ont peut faire un travail par exemple pour traduire certains documents si tout de bon langage qui populaire parmi ça 17 000 côté d'Abidze y en a ça à cause quoi pour dire une recommandation à Yellow qui ça bon quelque chose qui gagne faire. Merci beaucoup. Merci honorable. Pièce.
pièce migration premier. Merci, député Chair, merci l'honorable. L'honorable, ça a mon courant dans un bas consultancy et pour un bas records management ça, pour digitization of civil status documents. Ça veut dire qu'il est from paper based to l'autre base que nous pouvons faire à cause de nous voyons une quantité de documents qui l'a backdated from 1895 qui l'a de PAPSA dans le livre. Et ça ben résiste souvent fois des fois voir pas trop il peut commencer bien unreadable alors ça nous peut consulter un dire mon beau capable venir pour aider nous aider nous département pour transférer les from da from sa paper base to digitization. Merci. Merci PS. Oui. Security and enforcement commencement l'année pour une commencer ça l'année nous peut on a un nouveau unit qui appelle enforcement unit il pouvait investigation enforcement unit alors nous pour le moment ça l'année nous prenons un staff qui travaille pour travailler là et nous puis envisager l'année prochaine prendre des staff encore pour capable faire pimper nous bonne ce qui nous bonne investigation qui nous fait. Merci okay. L'honorable. Merci PS Speaker. Merci Mr Speaker. Merci, honorable question. Je suis vraiment content qu'on lève ça. Oui, nous voyons qu'il y en a ben, des choses concernant les conditions de travail, travail étranger qui ne peuvent pas vraiment comprendre les autres conditions. Nous faisons provision en bas à Advert and Donations pour nous publier beaucoup plus les flèches. En effet, nous finis comment ce processus de rafter sa bonne leaflet nous mettons devant management et nous assister, nous considérer qui qualité l'information et qui sont droits. Ça travaille dans des unique qui sont droits. Par exemple, son droit pour un salaire, son droit pour accommodation, son droit pour l'hygiène et la santé, et son bonne obligation. Par exemple, il y en a un issue qui vraiment commun, c'est par exemple withholding of passport, qui aussi ça un issue, qui même convention internationale lui quoi, qui passeport il reste avec sa travailleur, et laisse qui travaille employé dit for safekeeping. So nous ne faisons provision, Babidze. Adversion donation, après on va printing and session, oui, nous pour publier sa bande leaflet et nous pour mettre le GOP desk immigration à l'aéroport, les États-Unis pour nous fournir avec les autres, bah, l'on ce qui tout à fait correct, va partir dans l'année prochaine, nous pouvons commencer l'issue. Après, il y a ça issue translation aussi, par you connaît, nous n'avons pas sa bande capacité pour translate. Of course, nous avons besoin de l'assistance de l'ambassade ou de ce monde qui a l'opportunité, qui cause un doux ou différentes qualités de langage, nous ne connaissons pas. Mais seulement, provision, nous avons fait un budget, nous avons consulté, nous pas faire ça. Nous pouvons faire provision pour ça, définitivement. À quoi nous voir, il y a un challenge, il y a un défi aussi pour nous. Merci, M. Speaker. Merci, PS. Honorable Barry. Oui, un petit follow-up. Premièrement, l'OSA a posé pour digitaliser les documents. Oui, ça commence à voir. Donc, on est ce qui est sin tender. Après, deuxièmement, à cause de nous voir registrar, il y a l'exercice à préparer, que nous donnons overtime, bon staff, comme si il y a un incentive pour bon travailler, là, on a un petit. À cause de considérer ça, peut-être. Et deuxièmement, le bon poser qui est PSB, quand nous avons là, est-ce que ça y a aussi fait provision pour qui la loi l'emploi, sur bon amendement, il vient aussi plus vite possible. Ainsi, fait si qui c'est il y a joué avec toute bonne convention qui concerne question l'emploi qui s'habite ZP pour en compte. Merci. Merci, honorable. Je donne la parole à PS en immigration. Merci, député Chair. Merci, l'honorable. L'honorable, c'est la digitalisation, nous commençons à faire depuis l'année passée. Mon pour pas confirmer, mais c'est mon mot d'information, m'a confirmé qu'au plus tard. À cause pour ça manque dans nos bidets. Au moins, capable de donner l'information plus tard. Super. Okay. Merci, PS. PS Becker. Merci, Mr. Speaker, Monsieur Honorable. Oui, justement,
par les monde qui sorti talé dans ça qui nous appelle decent work country program qui nous en a pour faire avec Ayelo et en bas ça programme il y en a pour faire avec révision la loi par nous connaît qui révision implement act qui finit sa stase et pour gagner présenter devant l'assemblée après à pouvoir son cabinet bonne l'année prochaine ça il prend compte qui tout ça ban l'aspect qu'on a pour faire avec travailler ces lois et travailler non ces lois il prend compte dans là-dedans. Deuxièmement, aussi un autre composant révision de la loi, un Industrial Relations Act qui aussi l'année prochaine nous parle nous commence tender out pour demander mon quoi nous gagner pour aider candidats qui submit d'autres bid et procéder procurement pour gagner faire et l'année prochaine nous commence réviser par vous voyez il y a un nouveau développement le côté l'union travailleur employeur et ça aussi peut gagner pour en compte avec ben différents quelque chose qui peut arriver dans le landscape national. Alors nous prenons en considération ça. Merci, Monsieur Speaker. Merci, Pierre Speaker. Honorable Sébastien Pilet. Un moment, honorable. Yes, Pierre Vidotte. Merci, Député Chair. Député Chair, tu as l'information qui m'a compté par sa vie. Go ahead, Pierre. Sa digitalisation, par il nous dit, il transferring from paper-based to digital. Il y en a dit, c'est un monde d'assez, c'est le cas de faire ça. Et par l'an passé, nous commençons, c'est que ça l'année, c'est que nous 775 000 roupies. Les gens qui ont overtime, il n'est pas facile pour faire n'importe quoi, travailler qui n'a pas pour faire ça. À cause, par exemple, mon cause est bonne, il s'abonne leave, immigrant, s'abonne leave status. Il backdate from 1895. Et pour les gens qui vraiment en a sa capacité pour capable travailler avec sa bonne, parce qu'il vraiment, et des fois, il n'est pas capable de faire sortir. Alors. Ok. On a Barry. Les faits qui nous gagnent fort, mais qui n'ont pas senti que c'est capable de faire ça, les gars. Pierre Spidot. Oui, merci, député chair, merci l'honorable. Il appelle M. Joe Lawrence. OK. OK, honorable. Merci, Pierre. Honorable Sébastien Pilet. Merci, Mr. Chair, qui fait ça, qui peut faire sa digitalisation. Mr. Chair, moi, je suis demande ministre. Et bon conseil qui tu peux exprimer, c'était le niveau qui bon travail immigration, les autres cadre travailler, les autres même les autres fonctions spécifiques. Moi pas connais si on a un détail là, mais dis-moi qu'est-ce qui est en arrivé avec organise cadre travailler, si on nous donne cette information et présent dis-nous qui manière les autres dans autres plans en relation avec budget, les autres les faire ici qui across the board en ce qui concerne immigration. Vous faites ici qui vont travailler, par exemple, ils ont un rotation system, de ne pas sentir autres dans aucune façon défavorisés ou bien perdus, les autres dans sa système. À cause de moi, les autres ont déjà fait des battles dans des situations autres schemes. Donc, je suis content de vous dire, si tout ça est incorporé dans la provision de budget, vous pouvez gagner. Merci. Merci, honorable. Merci, député chair. Merci, l'honorable. L'honorable travaille à l'immigration pour le moment, il parote. Ça qui travaille bon matin, il y a le bon matin, il finit dans 1h30 des heures. Ça qui a la soirée, il y a la soirée. Je parote pour le moment. Et pour l'information, l'honorable, oui, David, c'est par exemple, on dit au commencement, nous faisons une provision. Je paye des agents et paye depuis en mars, ça l'année. Merci, l'honorable. Merci, ministre. Honorable Pilet. L'honorable, en plus que ça. L'année passée, nous avons révisé le salaire de nos processing officers. Okay? Tout ça, là, nous avons révisé. Ça, l'année, nous avons réajusté le salaire de nos bon border control officers et qui ont gagné une augmentation. Et en plus que ça, nous avons révisé l'adjustment allowance pour nos bon supervisors. Là, récemment, nous réajuster salaire de bon senior officers qui le PSC contract. Tout cela nous fait. Et aussi, nous révisons le paiement souliers et c'est tout. Merci. Merci, ministre. Nous avons pilé. Oui, Mr. Chair, moi je dis ça. Je suis avec l'Assemblée qui, dans FPSC, nous avons rencontré le département de l'immigration et ils ont montré pour dire, ils ont fait quand ces efforts pour assurer qu'ils travaillent
de bonnes normes qui sont gagnées. Mais c'est une question additionnelle pour le département de l'emploi. Prenez en compte qui composants que vous pouvez mettre pour enforcement. Il y en a ça l'aspect parfois manque de confiance de la part publique, le travail qui enforcement peut faire, si tout de bonnes visites qu'ils ont fait dans l'hôtel. Qu'ils ont pu faire pour sensibiliser les travailleurs, pour faire ce qui dit mon connaît qui nous voit, ils ont pu faire, et qui, pour qu'ils disent mon, les travailleurs qui sentent les autres parfois pris dans cette situation, ou bien affectés, ils sont capables de venir devant vraiment, mettre les autres bonnes conseils devant pour faire quelque chose, pour se mettre devant. Et en ce qui concerne les autres bonnes caisses, par exemple, qui m'ont travaillé pour que tout ça là, il y a réseau d'une façon claire, d'une façon efficace. Merci. Merci, honorable. Pièce Beka. Merci, Monsieur Speaker. Merci, honorable, pour question. Pour premier concern, regarding capacité, nous avons travaillé l'emploi pour en plus public confidence dans d'autres temps d'autres peut délivrer d'autres services. Mon les refait sortir Mr Speaker, nous bon travailler l'emploi. Nous autres essayer autres mieux tout le maximum pour être capable de livrer un service qui à la hauteur qui public capable en plus respect et aussi on a beaucoup plus expectation. Mais nous sinon on a un peu défi de salani Mr Speaker qui mon les fait sortir qui pareil, ben les autres endroits techniques et spécialisés n'a pas une école pour officiers d'emploi d'ACCL, ni même au monde. Et alors, c'est difficile que nous approche l'université CCL à travers TGMI pour développer un course pour nous qui nous a commencé en 2013-2014, qui appelle un diploma dans les best studies pour donner nos bons officiers plus capacité dans l'identification des problèmes, dans qui moyen pour résoudre les problèmes, qui qualité industrielle psychologique qu'ils ont besoin pour être capable de renforcer notre capacité. Et en effet, beaucoup nous avons travaillé, nous avons fini de graduer dans l'année et nous avons fait fini graduate hier. Of course, nous besoin faire plus que ça. Nous besoin faire plus que ça à cause nous senti que les temps nous peut rendre service, nous besoin faire ce qui public en confiance dans nous et voir nous comme bons officiers qui ca donner l'exemple. Mais nous avons beaucoup de défis. Nous avons beaucoup de défis. Bon, ils vont se dire l'année passée, nous avons un petit groupe, nous avons en termes of officiers, 67 officiers qui pour dire avec 47 000 travailleurs dans ces cellules. Nous avons la force de travailler 47 000. Et nous, c'est 67 officiers. Donc, 67 officiers, ça y inclut support staff. Pas juste technique, mais aussi support staff. Ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de staff. Et alors, nous avons approché le ministère des Finances pour donner un peu plus d'assistance. Et nous gagnons plus d'assistance. Et nous sommes capables de réassister à l'Assemblée, qui nous peut essayer nous mieux, qui va nous faire continuellement à ça. Vous pouvez voir une petite augmentation encore dans nos training budget, qui nous devrait envoyer nos bons staff. Nous avons une très bonne collaboration avec un organisme de training, avec IO, qui s'appelle ITCILO, qui traîne nos bons staff, les short-term courses, et des semaines, parfois il y en a qui pour 3 mois, pour assurer qu'ils ont gagné sa capacité, l'emploi lui-même, qui est une stratégie qui est mise en place. Nous pouvons faire nos efforts, Mr. Speaker, et mon coin va réussir doucement, doucement. Merci. Merci, ministre. Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, il y a l'information aussi qui m'a pas encore passé. Ce qui est bien dans nos programmes Records Management, il y a l'augmentation dans wages and salaries. Ça est pour Scheme of Service Civil Status Officers qui nous permet en force dans les procès. Yes. OK. Merci, Civil ministre. Status Officers. OK. Honorable Ferrari. Justement, merci, monsieur le député speaker. Justement, nous assisons. Mon petit, le page 501 et mon Abouzi, les oiseaux ensemble. Tout bon wage bill, l'emploi et l'immigration, ou à vous dire, wage bill n'augmente pas 5,1 millions, from 40 millions to 45 millions. C'est le total wage bill en bas, ça décomponent là, qui nous peut causer là. Alors, je suis content si vous êtes capable de dire avec nous, dans ça, avec ça l'augmentation, qui parle là-dedans, il plus travailler. Qui parle là-dedans, il reconnaissance ou bien l'augmentation pour les travailleurs qui existaient. À cause d'un certain
situation, c'est des questions qui m'ont demandé le bon travailleur qui existait. Est-ce qu'il y en a un dialogue avec les autres pour le moment, vu que le ministère est nouveau? Est-ce qu'il y en a un dialogue avec ces bon travailleurs qui existaient déjà pour faire les autres monter dans le système, dans tous les départements, à cause il y en a qui sentent que ce pays qui est à côté dans sa bonne moves qui le ministère peut faire. Alors, c'est capable de prendre ça l'occasion pour réassurer sa bonne travailleur. Et l'autre question, il concerne l'assurance. Ministre, vous connaissez ça, il y a 6 ans qui vraiment quelque chose qui peut gagner, discuter beaucoup dans cette assemblée. À cause. Il y en a. Pour se dire qu'il n'y a pas de gens suivre. Moi, je crois qu'on est à cause de moi, 328 roupies, 328 000 roupies qui gagnent dépensées par l'assurance. Lesquels autres brokers pour s'accompagner à l'assurance? Et quand dernière fois, est-ce qu'ils ont fait tender pour gagner un plus bon, un meilleur assurance pour les bonnes assets? Merci. Merci, honorable. Merci, député. Yes. Merci, merci, l'honorable. L'honorable, dans nos budgets pour nos immigrations, il y en a un increase pour un peu travailler. Par exemple, nous mentionnons bonheur, plus bonheur, nous avons un personal secretary pour le ministre. Nous avons un registration officer pour civil status. Nous avons un civil status officer. Nous avons un nouveau bureau qui a ouvert un nouveau port. Et nous avons besoin d'un officier là-bas, un peu senior là-bas. Nous avons un officier pour parler la digue. Nous avons un enforcement and investigation unit. Nous avons 3 dimoules là-dedans. Après, nous avons encore immigration officers. Et pareil, nous avons s'habitué. Et que l'année prochaine, nous avons British Airways avec Air France qui peut venir. Nous avons besoin de nos capacités encore, nous mettons sur le l'aéroport. Si il reste un peu dans nos abysses, définitivement, nous pourrons encore les officiers pour l'aéroport. Après le moment, nous sentons qu'il y en a un manque. Après la deuxième question, l'assurance, nous n'avons pas broker. Nous avons ça coûte. Merci. Merci. Merci, Pierre Spidot. Honorable. Ok, pièce Baker. Merci. Merci, merci, Mr. Speaker. Merci, honorable. Mon premier point, mon quoi est important, ministère, nous, ainsi tout département de l'emploi, tant que le ministère, nous pouvons le ministère, mais seulement le département de l'emploi, oui, nous donne l'opportunité, tous nos bons travailleurs, l'opportunité pour nous appeler pour bons postes qui plient, qui sont préoccupés aujourd'hui. Nous faisons ce qu'on appelle un internal advert, qui ont gagné l'opportunité pour nous appeler avant que nous soyons dehors. Ça y est. Ban qui applique en dedans, nous donnons notre priorité, nous évaluons, nous donnons une interview, si vous méritez, nous donnons autres, si vous pas mérité, nous envoyons des pillés à 16, et des pillés qui dit que c'était l'argent pour donner, dépendant de sa qualification, de son expérience. Ok? Deuxièmement, il y en a pour faire avec ban conditions de travail, ban qui existent. Tous les ans, nous avons un appraisal qui nous fait. Nous si demandons au ministère des Finances pour donner un petit peu plus d'argent, pour demander si, étant fini pour appraisal, il faut pas avoir gagné une promotion, mais on va gagner un ajustement, qu'on appelle un salary enhancement. Pour ban aussi qui ont déjà fini faire autre ban qualification certificat, nous besoin encourager pour autre continuellement monter. Oui, nous en provision de budget qui nous fait ici qu'il en est pour scène, étant nous fini faire appraisal, ban qui qualifié pour gagner l'augmentation qui travail dit, oui, nous pour dans autre assistance et baser les autres performances for instance et avant pour code DPA, DPA va faire cette situation baser le mérite et autre va gagner l'augmentation. Deuxième question, le côté l'assurance. Nous avons 4 véhicules. Nous l'assurance avec sa course, mais ce moment, je fais comprendre qu'il y a un broker fidélité. Je ne suis pas confirmé. Je ne suis pas confirmé. Non, non. Nous connaissons qu'il y a nous l'assurance avec sa course. Mais ce moment, je fais comprendre qu'il y a un broker fidélité. Mais ce moment, je vais vérifier. Ce moment, je vais vérifier pour clarifier. C'est ce qui nous a dit là. Merci, merci Pierre. Merci Pierre.
Okay, Honorable Simon Gill. Monsieur, merci. Mon question finit pas. Okay. Merci, Honorable Gill. Honorable Afif. Okay. Honorable Mkalawan. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, un des points là qui nous a levé, par exemple, l'état de cause de sa contrat de travail étranger, qui comme si vient un problème. Est-ce qu'il n'est pas plus facile, comme si pour nous couper les costes et tout ben quelque chose, si l'état de cause qui apply pour un GOP, pour un travail étranger, qui aussi inclut un copie sa contrat, qui comme si vous avez des appels avant même qui comme si un simple sa contrat pour tout. Le côté problème pour, comme si parfois dans l'ensemble tout nous pas le faire un l'étude, mais si on veut travailler sorti dans SID, mon roi straightforward, vous faites l'arrangement transport pour tout bon du monde, vous regardez comment il y a pour increase ou la route transport. Le côté, encore une fois, le côté un peu, il y a le policier en bas 766, en relation avec protection travailleur, c'est ces lois. Mon papa gagne un compon là qui m'a dit, par exemple, des trois l'année passée. L'état bon travailleur, c'est ces lois, Kibble Noyles, qui gagne terminé, qui gagne poussé. Et c'était bon, c'est ces lois. Et après ça, ça l'accompagnait, qui gagne GOP, qui gagne permission, pour lui faire venir étranger, Sri Lankan, pour faire un travail qui bon, c'est ces lois, ça peut faire. So, là, moi, j'ai un problème avec autres, avec police, si nous sommes capables de gagner quelque chose, parce que si nous pouvons causer un thème prothèse travailler sur ces lois, qui est capable de pousser ces lois, ça, même la compagnie qui pousse ces lois, et après, il prend étranger. Et finalement, si dans notre parce que là, ça fait la paix, mon connaît que vous dites, nous mentionnez la paix, ben, les officiers d'immigration. Mais il y en a un quelque chose là qui ben travaille à immigration, spécialement ben qui travaille dans bureau, comme si senti qui peut dire ou quoi, il y en a une discrepancy dans tout la pays et tout la pays reste pareil, tandis qu'il ben qui travaille à l'aéroport. Moi pour connaître si tu es capable éclaircir ça pour nous regarder qui meilleur nous capable pour regarder travail qui ben c'est moni fait les autres qualifications. Merci beaucoup, Mr. Merci, Honorable. On commence avec Pierre Speaker. Merci, Mr. Speaker. Merci, Honorable, pour les questions de mon département de l'emploi. Des questions. Une précision, pour nous demander une question de clarification. La première question, oui, Honorable, il y a un vraiment valable. En effet, il y a une condition qui nous permet en bas nos policiers qui, avant l'air, qui est travaillé sur cette rangée, est entré dans le pays, il a besoin de submit un localisation plan, il a besoin de submit un contrat à travail qui nous finit à agréer là-bas dehors et faire ce qui tous les partis agréer pour qui nous fait comme si il n'y a pas un dispute demain pour matin. C'est clair. Vraiment, moi, nous apprécions vos suggestions et il a donné nous prenons en considération pour ça. Of course, nous besoin à le market ça avec un employeur, nous connaît qui pas nécessairement pour une populaire car du pour nous ajouter d'autres bureaucratie, mais nous besoin d'une façon et d'autre pour nous adresser ça. Deuxième point concernant travailler avec Benoît LS, oui, redundancy, tu gagnes fait et ben travailler c'est loin, c'est certaines autres tu gagnes fait arrêter et pour le ministère de l'emploi parti approuve redundancy. Et Kibben Riley, si bien il demandait pour réponse avant de travailler.
Et basé sur sa bonne procédure, il en a un mécontentement entre sa dévue. Monsieur le Speaker, je ne sais pas pourquoi, s'il y a approprié pour moi, discute détaillement ça qui est cause que si devant implément tribunal aujourd'hui là, à ça explique, sur chacun sa bonne travailleur dans d'autres conditions. Mais sur le côté sa point, regarding travailleur étranger, ça qui mon monde fait comprendre, que la majorité des travailleurs qui ont fait arrêter parmi sa bande, ont gagné un subcontract avec Kevin Riles pour faire bonne louvoise. Simplement, dans les autres positions qui partent en qui ont une bonne approbation. Pour, on n'a pas plus de détails avec moi là, Mr. Speaker, mais seulement ce qui me connaît, c'est qu'il y a un bon peu parmi les bon travail sur ces lois, il y a un subcontract, et les autres aussi, les autres peuvent demander une application pour le travail étranger, Mr. Speaker. Sauf que moi, il y a un petit peu balance qui nous a commandé le département de l'emploi pour nous faire ici, qui. N, ça va nous dire aussi de progresser. Et deuxièmement, il y a plus de protection pour travailler. Je suis totalement d'accord avec vous, honorable. Nous avons besoin de prendre quelque chose qui est objectif et balancé, qui peut continuellement progresser. Merci, Mr. Speaker. Merci, Pierre Speaker. Pierre Spidot. Merci, député Chair. Merci, l'honorable. L'honorable, ça va nous staff coupé cause de la DABIRO, c'est bon, Immigration and Civil Status Processing Officers. Pareil, nous, tout nous connaissons, les inscrits au service, ils mettent en place, il y en a quelque chose qui m'assemble avec, par exemple, educational skills, and then, ou besoin de l'expérience. Nous sentons qu'ils nous savent comment il y a beaucoup d'autres qui peuvent faire ce d'ouvrage. Ils ont un peu l'expérience, mais ils n'ont pas ça, educational skills. Nous faisons training. Pour ce training, nous faisons par semaine. Nous avons le transport, nous donnons des snacks. Les autres trainent. Still, l'honorable, il y en a pas refusé le training. Et nous pas capables de continuer pour augmenter notre salaire si nous n'avons pas le training à cause de demander dans notre scheme of service qu'ils ont tendance à bout de training. Et là, nous faisons un commitment avec DPA, nous disons, nous donnons un bout de salaire avec pour total training. Et là, ils ont fini le training, l'honorable, ils ont l'argent, ils ont pour gagner. Et ils ont still refusé. Merci, l'honorable. Merci, Pierre. OK, honorable Charles de Comamo. Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, bon après-midi, ministre, et cours de délégation, et tout le monde honorable, et tout public à l'écoute. Monsieur Chair, premièrement, mon vie, remercier l'Assemblée nationale pour la publicité qui nous a donné Fidelity Insurance Brokers. Nous avons gagné Castécol, de Monile. Après nous comme un bloqueur encore et nous pour grandir. Nous pour grandir et mon quota. Merci beaucoup. Et Zis mon vieux aussi, éclairci qui l'assurance ou pas capable d'attendre pour juste pour l'information, l'Assemblée, ben le ministère aussi tout. Ou pas capable d'attendre par outil des business, disons, ou pas faire un building dans business construction, ainsi de suite. Ou pas capable ça. On peut expliquer pour les formations à cause d'une misinterprétation par l'Assemblée nationale. En même temps, il pas dit basé le quotation. Il basé aussi le confiance qu'on a, le trust, le service delivery. À cause de l'épargne aussi, on voit, on entend, même d'autres papiers, une cause de là, contre certains bloqueurs, par exemple, qui ne vaut l'assurance qui peut payer. Tout ça là, c'est ça qu'on peut dire, qui est basé sur le trust. Tout ça, c'est quelque chose, il est important, il gagne mentionné pour qu'il du monde comprenne. Présentement, je vais demander au ministre une question. Travel agent. Order. Pas une loi dans. Honorable. Attendez un petit moment. Yes, honorable, Bram Calawan. Un moment. Mettons pour Mike, on a oublié quoi? Yes. Mr. Speaker, point of order, because ça qui peut faire, il y a ça qui on a oublié comment on peut faire, il y a un direct conflit avec sending orders en ce qui concerne conflict of interest. Il peut servir l'Assemblée nationale pour lui promouvoir son business Fidelity Insurance. Et in this, il n'est pas capable de faire ça. OK, merci beaucoup. Merci, honorable. OK. Point taken. Honorable. Allez. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, nous voir pour dire dans Bidze,
y en a beaucoup travel qui bon officiers gouvernement ils travel surtout ministère employment et immigration qui devant nous. On peut j'ai envie de demander un petit éclaircissement. Qui m'a hier autres fait bon ticket pour travel, si autres servi aucun travel agent et si gagne tender, si ka explique moi et si ka dire nous lesquels travel agent sont servi et en même temps qui pièce là peut-être pièce ka fait un prononcement l'OSA à cross government côté concerne travel la connoua pour dit travel in augmenter gagne dit dans l'assemblée surtout dans le bureau président nous noir dit monter ainsi de suite par toi cross government il monter et alors qui maye ça va quelque chose il gagne fait. Merci. Merci honorable. Merci député. Merci député. Merci l'honorable. L'honorable côté immigration beaucoup nous ban overseas travel c'est nous pay nous ban staff only reduce per diem. Ticket qui gagne paye à l'étranger ça paye qui paye offers au sein training. Nous pas faire beaucoup par exemple dit nous ban nous pays autres ça réduit pas rien il faut les funder ça veut dire tout nous ban presque tout nous ban overseas training workshop qui ban officiers y aller il faut les funder. Merci l'honorable. Merci PS. OK. On a merci. OK merci Mr Speaker. Allez go ahead PS Speaker. Merci Mr Speaker. Merci honorable pour question le côté travel expenses. Moi, je vais juste dire brefement. En effet, le ministère de l'Emploi, de Paris, l'immigration, basé nous avons travaillé pour faire avec un staff training. Et un staff training, il a besoin de conseiller le travail. Et nous avons réduit per diem. En effet, nous, ministère, nous devons être capables de travailler plus pour participer à une conférence internationale qui nous a l'obligation de 3. Nous avons un ILO qui fait la Suisse et nous connaissons le coût. La Suisse, combien coûte. Et l'État nous travaille la Suisse, nous avons en bas constitution à Yelo, en bas constitution SADEC et en bas constitution African Union, nous avons besoin d'un partenaire social avec nous sans nous pas pour entrer dans sa bonne réunion. Avec dit ministère de l'Emploi, il y a besoin de travel en tripartite à tout prix. Conférence à Yelo, African Union Labor Social Affairs Commission, SADEC Employment and Labor Sector, qui nous besoin de payer dans nos budgets. Donc, en effet, pour ça l'année, oui, nous avons besoin de capable d'un à Yelo, à cause de ce à Yelo lui-même, il coûte nous à peu près 350 000 roupies, juste un trip à Yelo, à cause de ça. Et son conférence, il fait entre 12 jours à 17 jours. La Suisse. Donc, il y a un component qui prend un chunk de notre business. Je ne travaille pas beaucoup, mais quand sa conférence fait, qui coûte. Nous, ce garantir ça à l'Assemblée, c'est que nous coûte travel, nous budget travel, il devrait être plus, à cause du ministre n'a pas gagné l'opportunité, par exemple, pour aller à la SADEC meeting avec EU meeting, nous avons basé à Yellow, qui est un peu plus international pour nous participer là-dedans. Merci, Mr. Speaker. Merci, PS. On a appelé comment moi? Ok, pièce ministre. Yes. Ministre, vous voulez dire un dernier mot après madame la parole, pièce Payette? Non? Ok, pièce Payette. Merci, Monsieur Chair. J'espère ajouter que la façon qui bon ministère avec bonne institution gouvernement y a outsource for overseas travel, usually, j'ai besoin de trois cotations, surtout si le pays dépasse sa quantité qu'il mettait dans la loi procurement. At least, j'ai besoin de trois cotations, soit avec un direct, avec un airline, ou soit avec un travel agent. Cependant, qui nous voit, l'État nous évalue avec, nous peut évaluer, nous peut voir qu'il y a un bon ministère qui voit les autres, because of pratique. Vous êtes plus confortable avec un travel agent à cause que fois lui capable d'arranger un pays de bon travel si tout si il y a dans différents pays si tout si il n'a pas direct flight direct de sa pays que vous pouvez aller. So usually qu'ils ont fait vous trouvez avec un travel agent qui at least pour connecter les autres un peu plus vite connexion à cause que fois vous pas envie sa transit période que fois pour un peu plus petit gain.
Et c'est gagné qui n'ont pas perdu un quantité de temps overseas. Par exemple, les temps de perdre dans un pays qui fait de l'Afrique, qui fait pas rester des jours, zis rester là-bas pour les autres capables de retourner ceci là assez vite. Donc, ça, il y a une mesure qui a un ministère servi. OK. À cause qu'il n'y a pas gagné un tender, pareil, propre tender qu'il fait. Yes. Le temps où regarde, il y a quelquefois honorable, le temps où il travel, il y a un peu différent avec bon service qui gagne offert avec le gouvernement. Comme si, même si un ministère dépense, il est capable de 1,5 million, mais il ne peut pas dépenser 1,5 million un seul coup. Il est capable quelquefois un mois, il y a l'Iran au Dubaï, l'autre mois, quelquefois, il y a la France. So, il n'y a pas qu'à dire ça, les tenders. Travel cost un seul coup à cause y différemment de l'année. Est-ce qu'il n'y a aucune similarité avec l'assurance ça coupe dit? Pour l'assurance quelquefois ou car quel d'une autre façon à cause quelquefois par exemple les tant que véhicule ou qu'on est en 5 véhicules et il direct une fois par l'année ou car gagne ça coûte un seul coup. So, si on a un nouveau véhicule que peut gagner dans l'année, là quelquefois il est différent à cause d'un design un contrat avec un insurance broker ou une insurance companies. Mais seulement si on a quantité véhicule ou soit même quantité building travailleur, ça y est un peu différent. OK, merci PS. Bon, nous arrivons au moment pour yes PS. Zis, qui fait une dernière clarification pour honorable Pile, ça l'opage 495, 1,3 million, il concerne à cause du département de l'emploi, ils ont fait un recrutement en 2017, à présent 2018, ils sont full year impact. Cependant, pour nouveau recrutement, il existe 370 soupies. Même si nous avons dit comment un nouveau new initiative, mais il existe 370 soupies qui concernent une new initiative. Il y en a un recrutement salané qui a l'impact dans 2018. OK, merci PS. On arrive au moment pour nous prendre un vote le département de l'emploi, département immigration avec civil status. Majesté, une pièce pour guider nous, pour mettre les trois ensemble pour nous prendre un vote. Pièce Payette. Merci, Monsieur Chair. So, nous pouvons prendre un vote pour le ministère de l'Emploi, Immigration avec Civil CETES, pour tous les départements qui est un total 57 818 560 roupies. Merci, pièce. On va demander tout membre qui est en faveur. Aucun membre qui compte. Okay. OK, Madame Clark. Merci, Monsieur Chair. 26 membres en faveur. Personne compte. Merci. Merci, Madame Clark. Ça veut dire vote pour département de l'emploi, département immigration avec civil status, il n'y a pas approuvé par l'Assemblée nationale. Bon, avec ça, moi, je suis content. OK, yes, honorable Gisley. Bon après-midi, Monsieur Speaker. Bon après-midi, tout le monde. Mon j'ai envie de profiter pour, comme ministre là, pour commander staff avec bon staff côté immigration, avec civil status, les autres l'efficacité, à cause d'une cause beaucoup le service delivery dans l'Assemblée. Mon tu les profiter pour comme nous autres un peu, félicite nous autres pour notre bon service de livrer qui nous peut donner comme là, et après aussi nos autres bons customers. Merci. 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 Ma sister, on a un petit peu le ministre. Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, service de livrer est un bon strategic point dans nos strategic plan l'immigration. L'emploi, nous peut travailler pour lui, il va venir l'année prochaine. Et nous, là, pour nous donner bon service, tout le monde.
Et comme on connaît, nous avons un customer care center qui finit ouvert le ground floor Independence House. Là, il y en a nous l'immigration, l'état civil, ID card, tout ça là, il a. Et le côté l'emploi, l'emploi lui-même, il y a un département qui n'est pas trop facile à cause le côté, l'autre côté où on a un bon employeur qui est là, qui investit sur de l'argent, qui a besoin de travailler pour faire café, masse et autres business. Par exemple, on a un bon fermier qui investit dans la ferme et qui a besoin de travailler pour faire des fruits, légumes pour consommation. De l'autre côté, nous avons ces lois qui s'appliquent si j'ai content de gagner un bon emploi pour soutenir l'école et la famille. Et nous, ministère de l'Emploi, nous avons des milliers. Nous avons besoin de voir et balance. Il faut espérer que ça bise, qu'il y a approuvé, il y a aidé nous pour faire masser nos programmes pour nous faire sa balance, vin plus bien. Merci. Merci, ministre. Bon, nous avons remercié pour passer à démissionner avec nous, ou PS, PS Vidot, PS Baker, Financial Controller, Accountant, ou des Special Advisors. Moi, quand nous ou trois départements, il a très bien, et nous apprécions sa qualité de service que vous pouvez donner, et there's always room encore for improvement. Et moi, je souhaite en bas au guidance, au ministère, il va continuer, il va prouver sur les corps et il va faire plus bien. Bon, avant nous adjourner, moi, je suis content de demander pièce pour lundi. Bon département, si il y a un bon département qui nous prend pour lundi. Pièce, Mayette. Merci, Mr. Chair. Je peux proposer que nous commençons avec le ministère Industrie, Entrepreneurship Development, avec Business Innovation. En même temps, nous prenons Industrial Estate Authority, 9h à 10h30. Et 11h à midi, nous prenons l'agence prévention pour drug abuse and rehabilitation. Après l'après-midi, nous prenons le ministère de l'Agriculture avec la PES, avec tout simplement l'institution qui nous a parlé. Merci, merci, PS. On aura pile? Non, moi je peux juste remind secrétariat pour préparer la liste de l'institution qui base l'agrément qui nous a gagné, nous ne pouvons pas prendre les autres pour qui nous avons la liste pareille pour nous connaître les autres ministres venus, nous faisons seulement un vote les autres à cause de l'increase des autres budgets qui sont négligeables de ça. Oui. Oui, ok, c'est un vague à faire. Honorable Henri? Yes, Mr. Chair, merci beaucoup. Comme chairperson Koga, mon pays vérifie mon connaît bien dans certains documents beaucoup documents qui ben m'ont demandé et nous tombons d'accord avec exécutif qui any document qui ont demandé m'ont demandé qui by vendredi end of working hours tout supposé provide nous avec ça ben document et en ça qui ministère finance nous donne nous si tout ministère nous peut gagner ça ça concerne ben okay. M'ont gagné ça concerne non. State House. Merci. Nous, est-ce qu'il nous regarde pour tout ministère? Ok, nous allons regarder avec Pièce Payette, côté finance, si nous n'avons pas gagné bon détail pareil. Mais moi, quand presque tout bon document qui l'Assemblée peut demander, peut request, peut rentrer, et moi, quand on est Foreign Affairs, il envoie ce bon document que nous peut request. Local Government, nous avons secrétariat, nous avons Chisout. Ok? Bon. Avec ça, je suis content encore une fois remercier le ministre de l'Éducation, encore remercier P.S. Payette, M. Tézé, M. Burgess, et en même temps, nous remercier SBC et tout le monde auditeur aussi qui est à l'écoute cette semaine, qui suivent le débat à l'Assemblée. Nous allons adjourner et nous allons reprendre notre travail lundi 9h au matin.